Et bonjour tout le monde, bienvenue pour ce live Google Atout Numérique. C'est un plaisir d'être avec vous pour ce live concernant la création de sites internet. Je m'appelle Alexandre et je serai votre coach Google pour l'heure qui va suivre. Mais vous n'avez pas un coach, mais deux en effet, car il y a Detsu également qui sera lui à la modération derrière son écran pour m'aider à répondre à vos questions et à animer le chat pour vous apporter un maximum de valeur ajoutée. Alors normalement, niveau son et image, ça devrait être OK. Alors dites-moi si tout est OK de votre côté. Également, ce que je vous invite à faire, bonjour Stéphanie, ravi que vous soyez avec nous, c'est de brièvement vous présenter dans le chat. Quelle est votre activité actuellement? Qu'est-ce que vous souhaitez faire et quelle ville vous représentez? Moi, je représente actuellement Montpellier et Nîmes. Donc soyez un peu chauvin, dites-nous quelle ville vous représentez. Et c'est important également que vous nous partagiez votre projet. Ça me permettra, moi, d'adapter la présentation et de vous apporter des conseils, des tips un peu sur mesure par rapport à vos différents cas de figure. Et vous ressortirez beaucoup plus enrichi individuellement à la fin de ce live. Donc ne soyez pas timide, dites-nous un peu quelle est votre activité actuellement, votre projet, et quelle ville vous représentez. Cela étant dit, je vais déjà commencer avec l'introduction du programme. Donc Google Ads Numérique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme, j'ai envie de dire, unique en Europe, unique même dans le monde. Dans le sens où l'ambition de Google avec ce programme, c'est de vous former aux compétences numériques. Par compétences numériques, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, il y a les outils, bien évidemment. Il y a également les erreurs populaires à éviter, les bonnes pratiques à appliquer et aussi les bonnes mentalités à avoir. Nous avons une quarantaine de conférences, une quarantaine de formations à votre disposition pour vous aider à bénéficier des leviers numériques. Que ce soit pour monter votre entreprise ou organiser le mariage de votre meilleur ami, peu importe, le numérique va vous aider à gagner du temps et être plus productif. Au-delà de ces formations que vous pouvez retrouver en ligne sur la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement, ou hors ligne grâce à des partenaires tels que CCI, France Travail, ADIE, eh bien nous proposons également une hotline. En effet, c'est un standard téléphonique que vous pouvez contacter sans frais et sans prérequis si jamais vous avez des difficultés liées au numérique. Donc, vous avez une question, vous avez besoin de clarification ou tout simplement d'avoir des conseils sur mesure, eh bien, vous pouvez contacter l'hotline qui est en bas à gauche de votre écran. C'est le 0176 21 52 00. Comment ça fonctionne? Eh bien, le principe est le suivant. Vous contactez l'hotline, vous aurez un coach en ligne, ça pourrait être moi, ça pourrait être Detsu ou quelqu'un d'autre. S'il peut répondre à votre question rapidement, il y répondra. Par contre, si votre requête nécessite un peu plus de temps, un peu plus d'investissement, eh bien, vous pouvez choisir de prendre un rendez-vous en visio. Donc, c'est un créneau de 45 minutes, 1 heure, où en fait, vous aurez un coach Google à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, pour vous donner des conseils sur mesure, et également vous aider en partage d'écran avec ce que vous êtes en train de faire actuellement par rapport à votre site, votre activité. Voilà le programme Google Ads Numérique. Et le dernier élément en date, eh bien, ce sont les certifications. Longtemps, nous avons eu la certification sur les fondamentaux du marketing digital. Eh bien, depuis maintenant plus de 1 an, nous avons également d'autres certifications. 5 sur des métiers en forte tension. Donc des métiers en forte demande, où il y a beaucoup de recruteurs, mais il y a peu de candidats pour satisfaire cette demande des recruteurs. Donc c'est ça l'ambition de Google, c'est d'aider le marché du travail avec ces métiers qui sont récents. Ces métiers sont les suivants. Il y a support informatique, design de l'expérience utilisateur, management de projet, analyse de données et cybersécurité. Donc ces 5 métiers, moi personnellement j'ai fait la certification Data Analyst qui était excellente. Ces 5 certifications, vous pouvez les terminer généralement entre 2 à 6 mois en fonction du temps que vous y allouez. Sachez qu'une certification, c'est entre 100 à 200 heures de formation. C'est sur la plateforme Coursera pour ceux qui connaissent. Alors la plateforme Coursera, c'est une plateforme de MOOC, d'e-learning, qui ressemble à Open Classroom ou Udemy. Et en fait, sur cette plateforme, vous pouvez suivre des formations, des certifications professionnalisantes provenant de grandes entreprises ou de grandes écoles.
À la différence, on va dire, du contenu éducatif que vous pouvez trouver sur Udemy ou YouTube, eh bien là, vous êtes sûr que ce sont vraiment de grandes entreprises ou de grandes écoles derrière ces cours en ligne. Voilà, c'est sur la plateforme Coursera pour ceux que ça intéresse. Vous allez également pouvoir, avec certification, rejoindre une communauté de certifiés. Et également, vous avez la possibilité d'être mis en relation, mis en contact avec un consortium d'entreprises. Donc, il y a des grandes entreprises, de plus petites entreprises. Et ce consortium, en fait, l'idée, c'est pour Google que vous passiez d'un poste de novice à un poste junior dans ces thématiques si ça vous intéresse. Donc, intéressant pour de la reconversion, pour de la montée en compétences ou juste pour vous aider dans vos projets. Grosse caisse qui demande, on est sûr que le marché des UX designers est en tension. Eh bien, d'après Google, c'est un marché qui est en tension. Il y a beaucoup de demandes pour peu d'offres. Et ça vaut, je pense, en termes de recrutement et de freelance pour ce métier et pour les autres métiers également. Donc ça, c'est pour la plateforme Coursera. La mauvaise nouvelle, qu'est-ce que c'est? La mauvaise nouvelle, c'est que ces certifications, vous devez avoir l'abonnement Coursera Pro. Cet abonnement Coursera Pro, c'est un abonnement qui coûte 40 euros par mois, environ. Donc le temps que vous terminez la certification, vous payez l'abonnement mensuel. La bonne nouvelle, c'est que si vous y accédez via le lien qui est tout en haut à droite, goo.gle/gccfrance, eh bien vous avez un accès, une gratuité pendant un an à toutes ces certifications. Donc j'invite à le noter ou à scanner le QR code qui est tout en haut à droite pour accéder à ces certifs gratuitement pendant un an. Alors je précise, je nuance, en réalité ce n'est pas pendant un an, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc c'est vrai que là on est en mai, début mai. Donc c'est vrai que si vous commencez certification début décembre, vous avez un mois pour la terminer. Donc c'est short. Donc c'est pour ça que je vous invite et je vous incite vivement à prendre ce lien, et merci d'être sous pour le lien qui est partagé dans le chat, pour accéder gratuitement à toutes ces certifications. Et si vous avez d'autres questions, eh bien on pourra en parler à la fin. Il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous avaient déjà suivi ces certifs ou pas? Je suis curieux de le savoir. Donc voilà pour le programme Google Career Certificate. On va pouvoir commencer avec le sujet du jour, la création de sites web, de sites internet. Je vais en profiter pour lire vos mini-présentations. Je vous remercie d'avoir participé. Donc, on a Stéphanie qui est sur Paris, qui fait la création d'une plateforme de mise en relation. Top, super. Félicitations, Stéphanie. Bienvenue. Heureux que vous soyez avec nous. On a également Chris qui est de Nice. Et travaille sur divers projets, la photo notamment, et organise des trips à l'étranger. Top. Bienvenue Chris, ravi que vous soyez avec nous. Que ce soit Stéphanie, Chris ou Lisa, bonjour Lisa. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à la création de site web? Est-ce que vous avez des interrogations? Est-ce que vous avez des difficultés? Est-ce que vous avez déjà, vous, un site internet? On a Grosse Caisse qui est UX designer à Bordeaux et souhaite mettre en place un site pour une amie. Eh bien, merci d'être avec nous. J'espère que je vais vous apporter un maximum de valeur ajoutée. C'est ma responsabilité aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, entrée, plat, dessert, en entrée, avoir les bonnes questions pour cadrer son projet de création de site web. En plat principal, découvrir les différents outils, plateformes et options quant à la création de ce site. Et enfin, en dessert, connaître les éléments clés qui constituent un site internet, les piliers d'un site et les bonnes pratiques à connaître. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc Stéphanie n'a pas encore de site et n'en a jamais créé. Ok. Chris, non, je voudrais plutôt faire un blog via WordPress. Ok, on va parler de WordPress. Pour la photo, je pense que c'est bien d'avoir un site. En effet. Alors, on va voir que l'intérêt du site, c'est d'être visible et d'avoir une destination en ligne où vos prospects et clients peuvent retrouver des informations à votre égard. Mais on va détailler ce point ensemble. On a Lisa qui est de Bordeaux. Jamais fait ses formations Google, mais celle sur Ads Analytics. Et pour le site, oui, j'en ai un comme portfolio. Ok, super Lisa, merci.
Eh bien, premier point, les questions à se poser avant de lancer son site internet. Lee Jojo qui demande est-ce qu'on parlera des outils comme Squarespace ou Webflow? Eh bien, je vais vous spoiler, oui, on va en parler. Est-ce que vous les utilisez déjà, Lee Jojo? Alors, je vous informe de quelque chose, c'est que lorsque vous allez poser une question dans le chat ou répondre à une de mes questions, il y a un petit délai de latence, quelques secondes. Ne soyez pas surpris si je mets un peu de temps à répondre à vos questions. Ce que je vous invite également à faire, c'est de prendre un maximum de captures d'écran, de notes. Ne faites pas confiance à votre mémoire. En effet, nous ne mettons pas à disposition, nous ne vous partageons pas les diapositives à la fin du live. Le replay, je ne suis pas sûr qu'il sera disponible sur le court terme. Donc, j'invite à prendre des captures d'écran. Grosse caisse qui, lui, a une problématique, c'est surtout de choisir le bon CMS, ayant déjà des connaissances en développement. Ok. Alors, sauf erreur, grosse caisse, c'est pour créer un site pour une amie. Eh bien, on va essayer de voir qu'est-ce qui sera intuitif pour cette amie et quelle va être l'activité de cette amie également. Donc, à votre avis, je vous interroge, quelles sont les questions types à se poser avant de lancer son site web, avant de commencer la création de son site? Quel type de questions on va se poser? Quel type de questions on va poser à notre client, si jamais on fait le site pour quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Ça peut être concernant l'activité, concernant le besoin, l'objectif, le persona. Est-ce que vous avez déjà des idées? Lidjojo, pas du tout, mais j'aimerais savoir si ces outils sont intéressants pour les gens qui n'aiment pas coder comme moi. Alors, je vous rassure, la plupart des CMS que l'on va voir ensemble, donc pour ceux qui ne se connaissent pas, CMS, c'est Content Management System. Un CMS, c'est un site pour créer des sites. Eh bien, la plupart des CMS que l'on va vous proposer sont des CMS no code, où vous n'aurez pas besoin d'avoir des compétences en langage informatique pour pouvoir créer un site. Et pour tout vous dire, c'est ce qui est le plus utilisé actuellement, ce sont des sites créés en no-code pour un gain de temps et d'efficacité. Stéphanie, le type de site qu'on va créer, blog, portfolio, plateforme de vente, ok. Eh bien, c'est déjà pas mal. Comme le précise Dessous, Webflow, même si c'est une plateforme no-code, il faut quand même comprendre la structure d'une page, du code, pour être efficace avec. Donc vous allez voir qu'il y aura plusieurs plateformes où ce sera 100% no code, pas besoin de, vraiment de compétences ou de compréhension du code, et d'autres plateformes qui seront quand même no code, mais qui laisseront place à plus de flexibilité. Et donc là, ça laissera place à du code, si vous savez coder, ou à un peu mieux comprendre le code. Eh bien écoutez, on attaque. Donc, pour définir déjà les contours de votre projet, premièrement, j'aimerais dire quel est votre temps et quel est votre budget. Parce que souvent, quand on n'a pas de budget, eh bien, il faut y mettre du temps. Et quand on n'a pas de temps, eh bien, il faut y mettre du budget. Pourquoi? Parce que le budget permettra d'avoir des outils ou d'avoir de la main-d'œuvre. Donc, voilà les trois familles de questions. Quel est le temps à ma disposition? Quel est mon budget? Et qui sera la personne en charge? Ça peut être en charge de la création, mais ça peut être en charge également de la gestion de ce site. C'est Grosse Caisse qui nous expliquait. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai votre prénom, Grosse Caisse, parce que Grosse Caisse, il y a mieux comme, comme appellation. C'est Grosse Caisse qui nous disait qu'il va faire un site pour son ami. Eh bien, quelles sont les compétences de son ami? Est-ce qu'elle est à l'aise avec le numérique? Est-ce qu'elle elle y va aller régulièrement sur ce site? En fonction de la personne qui va utiliser le site, on va orienter vers différents CMS. Donc, premier point par rapport au temps à disposition, quand est-ce que je souhaite me lancer? Est-ce que je vais pouvoir alimenter régulièrement mon site? Donc, alimenter en contenu, faire des mises à jour. Et est-ce que je vais pouvoir le modifier si besoin? Autre question, quel est mon budget? Donc là, on parle plutôt des finances. Est-ce que j'ai besoin d'un site vraiment personnalisé? Ou est-ce qu'un site standard, certaines maquettes peuvent faire l'affaire? Ou est-ce que, du fait de mon activité, eh bien, j'ai besoin de fonctionnalités sur mesure? Ai-je besoin d'une solution adaptée à mon budget? Ai-je besoin d'une solution flexible pour faire évoluer mon site par la suite?
Vais-je gérer le site moi-même? Est-ce que quelqu'un dans mon équipe s'en chargera? Ai-je besoin d'un prestataire externe? En effet, vous pouvez créer votre site vous-même. Vous pouvez également faire appel à une agence, à un freelance ou à un de vos proches. Étant donné qu'il y a maintenant des plateformes qu'on dit no code, la barrière à l'entrée pour créer un site est de moins en moins importante. Et tout un chacun peut créer son site internet aujourd'hui en 2024. Donc là, un peu les familles de questions que vous devez vous poser vous dès maintenant. Une fois que vous êtes au clair avec ça va un peu aiguiller votre direction en termes de budget, en termes de temps à allouer. Souvent, une question qui revient, c'est combien ça coûte de faire un site? Eh bien, ça peut coûter tous les prix. On peut rechercher ensemble prix moyen site web et vous aurez un peu une fourchette de prix assez large. Donc là, vous voyez. Le prix d'un site web varie entre 1500 à 5000 euros pour un site vitrine, de 3000 à 10 000 pour un site commerce et de 5000 à 10 000 euros pour un site portail. Donc, pour tout vous dire, ça veut tout et rien dire. Parce que certains prestataires peuvent vous faire des sites e-commerce à 1000 euros, par exemple. Certains freelances. Après, aujourd'hui, en fonction de votre besoin, je vous inviterai vraiment plutôt à vous faire votre site. Parce que vous allez voir que les CMS vont vous permettre de créer facilement un site, plus besoin de savoir coder. Alors, un site portail, Stéphanie, là, je pense que dans ce cas de figure, il mentionne un site marketplace, plateforme. On va pas vraiment le voir, mais je pense que c'est ça. Alors déjà, par rapport à vous, à vos activités ou à vos projets, est-ce que vous savez quel type de site vous voulez avoir? Est-ce que c'est un site e-commerce ou un site vitrine? Non, grosse caisse, c'est très sympa. Stéphanie, est-ce que vous savez quel type de site vous voulez avoir? Donc Lisa a, elle, un site portfolio. Donc un site portfolio s'apparente à un site vitrine. On va un peu distinguer les différents types de sites. E-commerce pour Stéphanie, ok. Et pour le reste, est-ce que vous savez quel type de site? Alors, Chris qui voulait un site blog, intéressant, on va voir. Ok. Donc déjà, si vous savez le type de site que vous voulez, est-ce que vous avez du temps à y allouer, est-ce que vous avez du budget, eh bien ça va pouvoir vous aiguiller. Deuxième étape par rapport à votre création de site web, ce sont les objectifs de ce site. Un site internet égale un objectif clair, précis, mesurable, parce que c'est l'objectif que vous recherchez qui va influencer le type de site que vous allez créer. On va le voir avec e-commerce, vitrine et blog. L'autre élément qui n'est pas des moindres et à mon sens qui est le plus important, un des plus importants, c'est qui va utiliser votre site. Est-ce que votre site sera utilisé par des prospects, par des clients, par les deux, par des fournisseurs, par des employés? Est-ce que ce client potentiel, c'est une personne âgée? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un de jeune? Est-ce que c'est, je dis n'importe quoi, un sportif de haut niveau? Est-ce que c'est un sportif amateur? Vous allez devoir en fait clarifier votre persona. Pour ceux qui ne sont pas familiers à ce terme, persona, c'est la caricature de votre clientèle, de votre internaute. C'est le portrait robot de la personne qui va utiliser votre site. Parce que au-delà de vous, votre objectif en tant qu'entrepreneur, vous allez devoir quand même adapter l'esthétique du site, les fonctionnalités du site à votre persona. Quelle est sa tranche d'âge? Quels sont ses intérêts, ses besoins, ses problématiques? Et ça, c'est le béaba pour toute stratégie marketing, c'est se baser sur le persona. Donc une dernière question, c'est est-ce que la personne accède plus via Internet sur votre site, va y accéder via mobile ou ordinateur. Alors je vous prémâche le travail. Sachez que aujourd'hui, 70% du trafic internet, c'est un trafic mobinaute. C'est-à-dire
c'est-à-dire c'est un trafic via mobile. Alors, sachez que ce n'est pas le cas dans tous les secteurs et toutes les industries et en fonction de tous les personas, mais en cas de doute, rappelez-vous que c'est le trafic mobile qui prime, et on va le voir un peu par la suite. Il faudra vraiment se concentrer sur l'aspect mobile de votre site. Stéphanie Kundi, persona très très varié pour ma part. Aïe aïe aïe, quand on entend ça souvent dans le programme, on serre les dents. Est-ce que vous pouvez clarifier ce point, Stéphanie? Alors, pourquoi c'est important de préciser son persona? Généralement, vous ne voulez pas avoir plus de 2-3 personas par, j'ai envie de dire, activité ou produit. Donc, ça va dépendre de qu'est-ce que vous proposez sur votre site, mais c'est vrai qu'il faut essayer de trouver les points communs de tous vos clients. Même si vous pouvez avoir un persona varié en termes de tranche d'âge, eh bien, ce qui va regrouper tous ces personas, ce sera peut-être l'intérêt pour la couture, l'intérêt pour l'écologie. Donc, c'est vraiment important de clarifier ce persona parce qu'une phrase que je vais vous partager est la suivante. Lorsqu'on communique à tout le monde, on ne communique à personne en ligne. Parce que si notre communication et notre site parlent à tout le monde, eh bien, ça ne parle et ça ne fait mouche auprès de personne. C'est comme ces citations, lorsqu'on est ami avec tout le monde, on est ami avec personne, eh bien, c'est pareil en ligne. Souvent, les dirigeants ont peur de sacrifier une part de leur marché. Et sachez que c'est en sacrifiant une part de votre marché que vous vous concentrez vers vraiment le cœur de votre marché et que vous serez beaucoup plus efficace et rentable en termes de communication. Donc, essayez d'avoir, j'ai envie de dire, maximum, grand maximum, 3 personas. On reviendra sur le point des personas si vous le souhaitez. Une fois que vous êtes au clair avec vous, les objectifs de votre site pour vous et quel objectif vous avez pour votre persona, eh bien, vous devez clarifier un point. Vous devez clarifier votre méthode d'analyse. Souvent, une erreur que l'on voit chez beaucoup de dirigeants, c'est de seulement se concentrer sur les objectifs commerciaux. Donc là, vous voyez que c'est la première colonne. Les objectifs commerciaux, c'est-à-dire les objectifs comptables et financiers. Je veux avoir 100 ventes, c'est-à-dire, admettons, 1000 euros de chiffre d'affaires sur cette semaine. Ça, c'est un objectif final. Mais vous comprenez bien que pour atteindre cet objectif, il y a plusieurs étapes à atteindre avant. Il y a plusieurs sous-objectifs, plusieurs étapes intermédiaires, secondaires, sur lesquelles votre prospect, votre client doit passer avant de devenir un client et de générer une vente. Et l'erreur de la plupart des dirigeants, c'est de seulement analyser l'objectif final commercial. Alors qu'en réalité, cet objectif commercial, il va dépendre d'un objectif web. Dans le cas d'un e-commerce, c'est très simple, c'est une vente en ligne. La vente en ligne génère du chiffre d'affaires dans la rue. Mais dans certains cas, et c'est notamment le cas pour les sites vitrines, pour les personnes qui proposent des services, eh bien l'objectif web ne génère pas directement une vente. Je vous donne l'exemple d'une agence immobilière. Eh bien aujourd'hui en 2024, nous n'achetons pas encore de maisons en ligne. Ça va peut-être arriver, mais ce n'est pas encore le cas. L'objectif web d'une agence immobilière, c'est principalement une demande de visite, par exemple, une demande de rendez-vous ou une prise de contact. Cet objectif web va ensuite découler vers un objectif commercial. Donc, c'est-à-dire, avant de se demander « est-ce que je vends assez ?», eh bien, le dirigeant doit se demander « est-ce que j'ai assez d'objectifs web remplis ? Est-ce que j'ai assez de prises de rendez-vous sur mon site ? De prises de contact ?» Et ça, c'est ce qui s'appelle des indicateurs à suivre. Ces indicateurs en ligne, virtuels, seront les métriques que vous allez devoir analyser, que vous allez devoir suivre pour savoir si vos efforts portent leurs fruits. Et vous allez avoir plusieurs objectifs en l'avoir, des macros objectifs et des micros objectifs. Mais dans la création de votre site et l'optimisation de votre site, vous allez vouloir vraiment lister les indicateurs à suivre pour améliorer continuellement et A/B tester est-ce que mon site est bien fait
ou peut s'améliorer, peut être amélioré. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, premièrement, une macro-conversion. Donc là, c'est assez clair pour tout le monde, je pense. La macro-conversion, c'est l'objectif final, mais sur le site. Dans le cas d'un e-commerce, c'est un achat. Ça tombe bien, c'est aussi un objectif commercial financier. Mais admettons, dans le cas d'un plombier, eh bien, il n'y a pas de transaction en ligne. Donc là, la macro-conversion, l'objectif final web, l'indicateur à suivre, ce sera par exemple les demandes de devis ou les appels téléphoniques. Ça, ce sont des macro-conversions, c'est-à-dire l'objectif vraiment que vous recherchez sur votre site. Vous voulez qu'un internaute vienne et fasse cette action. C'est cette action qui est la plus importante pour vous. OK ? Ça, c'est macro-conversion. C'est ce qu'on va analyser sur notre site, mais on va également analyser des micro-conversions qui, là, en fait, sont des étapes intermédiaires, des objectifs secondaires. Par exemple, ça s'appelle s'abonner à une newsletter. La personne qui s'abonne à une newsletter n'est pas cliente, mais ça démontre un intérêt de l'internaute. Ça peut être également un internaute qui passe plus de 10 minutes sur le site. Ça, c'est une micro-conversion. Ça montre un fort intérêt, mais ce n'est pas l'action recherchée. Ça peut être plus de 10 pages vues, une mise au panier dans le cas du e-commerce. Macro-conversion, ce serait l'achat final. Micro-conversion ou conversion secondaire, intermédiaire, ce serait un ajout au panier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cet aspect? Vous avez les objectifs finaux comptables commerciaux, mais avant d'analyser ces objectifs, vous devez analyser ce qui se passe sur le web, sur la toile, c'est-à-dire les macro-conversions, par exemple demande de devis, réservation, appel, achat, et les micro-conversions, par exemple ajout au panier, ou temps passé, etc., ou certaines pages vues. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez un autre exemple? Si c'est OK pour vous, mettez-moi un petit OK dans le chat et on avance. Donc ça, c'est primordial à comprendre parce que quand vous allez faire de la publicité en ligne, quand vous allez faire des communications, quand vous allez analyser votre site, vous allez analyser ce qu'on appelle le parcours de l'internaute. L'entonnoir de vente. Si je n'ai pas de vues, ah bien ça, c'est un problème. Si j'ai des vues, est-ce qu'il y a des ajouts au panier? Si oui, maintenant, est-ce qu'il y a des achats? Et ainsi de suite. On analyse où il y a des fuites dans le parcours de notre internaute. Et pour tout vous dire, c'est ce que moi je fais au quotidien en tant que coach Google et en tant que freelance, parce que ma spécialité, c'est tout ce qui est l'analytics de la rentabilité publicitaire. Donc si mon budget n'est pas rentable, est-ce que c'est que je n'ai pas assez de clics? Est-ce que c'est que je n'ai pas assez d'ajouts au panier? Pas assez de paiements initiés? On analyse toutes les étapes et on fait des A/B tests. Ça, c'est primordial. Parfait. C'est clair pour Stéphanie, Lil Jojo, Elisa. Eh bien, écoutez, on avance. Et on va parler des principaux types de sites web. On en a mentionné quelques-uns ensemble. Vous en avez mentionné également. Et là, on va vraiment clarifier ces différents types de sites. Alors là, je vous invite à prendre une capture d'écran ou une photo. Et on va voir les quatre sites qui sont le site vitrine, la landing page, le site e-commerce et le blog. Alors aujourd'hui en 2024, j'aime à dire que maintenant la plupart des sites, qu'ils soient vitrine ou e-commerce, ont une section blog. Là, lorsqu'on mentionne blog, c'est quand un site n'est qu'un blog, vraiment qu'un site d'article. Mais sachez que vous n'avez pas besoin de créer un site tierce pour avoir un blog, si vous avez un e-commerce ou un site vitrine. Parce que la plupart des sites peuvent avoir une section blog. On va commencer par le site vitrine. Donc, qu'est-ce qu'un site vitrine? C'est un site où on va juste présenter des informations et laisser la possibilité de prendre contact avec nous. Donc, un site vitrine, ça intéressera surtout les professions libérales, les freelances qui proposent des services. Ça peut être également tout ce qui est... Alors non, pas vraiment. Dans certains cas, hébergement s'il n'y a pas de transaction. Mais un site vitrine, il n'y aura pas de plateforme de paiement. Donc l'objectif du site vitrine, c'est seulement informer
convaincre et persuader. Un site vitrine, il y a plusieurs plateformes qui existent, notamment Wix, que Detsu vous a recommandé, Jimdo, Webflow, WordPress. Là, les objectifs, ce sera vraiment d'augmenter les taux de conversion. Donc, les taux de conversion, c'est quand un internaute passe d'une étape à une autre, de tout ce qui est démontrer l'intérêt de l'internaute ou rechercher plus d'informations. Par exemple, les boutons en savoir plus, contacter. Ce sont vraiment toutes ces démonstrations d'intérêt qui vont vous intéresser à suivre sur un site vitrine. Donc, un site vitrine, il n'y aura pas vraiment de fonctionnalité technique avancée, comme du paiement. Pour la plupart des dirigeants, comme le disait Detsu, moi, je recommanderais la plateforme Wix, si vous voulez créer un site vitrine. Donc, Wix, ça ressemble à quoi? Hop. Donc, Wix.com. Où vous pouvez vraiment créer un site avec des templates, avec des modèles, après vous changez le texte, les couleurs, etc. Et c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc pourquoi je vous recommande Wix? Parce que c'est très intuitif, c'est rapide, pas besoin de compétences, il y a de beaux thèmes. Donc Wix est pas mal du tout. Souvent une objection que vous allez entendre par rapport à Wix, c'est est-ce que Wix est efficace en termes de référencement naturel? Alors pourquoi cette question vient à l'esprit? Et grosse caisse, on va parler de Framer, que j'aime beaucoup. Parce que Wix, par le passé, avait de gros problèmes en termes de référencement. Mais aujourd'hui, Wix est très bien. Vous serez juste limité avec Wix en termes de référencement si vous êtes un expert en référencement naturel. Et dans ce cas, si vous êtes à l'aise avec le numérique, avec le digital, ou si vous pouvez être accompagné, eh bien là, je pourrais vous recommander une des plateformes les plus utilisées, eh bien WordPress. Et WordPress, là, par contre, c'est un peu moins digeste, c'est un peu moins intuitif. Sachez que si vous allez utiliser WordPress pour votre site web, donc site vitrine, vous allez fort probablement utiliser ce qu'on appelle des theme builders. Donc, ils vont vous permettre de créer des sites sans savoir coder. Les theme builders les plus connus sont les suivants. Je vous invite à les noter. Il y a donc Elementor. Là, c'est le même principe, vous aurez des thèmes que vous pourrez utiliser dans WordPress. Donc, il y a Elementor, il y a également Divi, donc D-I-V-I. Et enfin, il y a WordPress Bakery, donc WP Bakery. Alors, celui-ci n'est pas forcément le meilleur, mais à vous de voir les trois. Donc, Divi, Elementor et WordPress Bakery, WP Bakery. Donc ça, c'est si vous souhaitez vous orienter vers WordPress. Est-ce qu'il y avait des questions concernant les sites vitrines? On va parler, grosse caisse, on va parler de Framer et on va parler également de Webflow. Parce que moi, personnellement, même si je vous ai recommandé Wix ou WordPress, eh bien, moi, j'utilise Webflow ou Framer pour faire mes sites vitrines. Lorsque je précise, lorsque c'est moi qui vais les utiliser, ou lorsque c'est quelqu'un qui est à l'aise avec le numérique. Mais la plupart des dirigeants, je recommanderais plutôt Wix, voire dans certains cas, WordPress, s'ils peuvent être accompagnés. Mais sachez qu'il existe Webflow, qui est vraiment un des meilleurs sites pour créer d'autres sites. Visuellement, c'est impeccable les sites Webflow. Par contre, Detsu vous a un peu mis en garde, c'est quand même un peu technique. C'est pas quelque chose que je recommanderais à tous les dirigeants. Même si ça reste du no-code, il y a beaucoup d'éléments techniques à comprendre et à gérer. Donc Webflow est vraiment pas mal du tout pour ceux qui sont à l'aise dans le digital. Si vous voulez un Webflow, on va dire, plus simple, eh bien il y a justement Framer, framer.com, qui est le même principe.
où là, vous allez pouvoir en no-code créer des sites avec quelques, on va dire, sections techniques à gérer. Mais Framer est également très très bien. Avec des thèmes et des templates qui sont vraiment tip-top. Alors, Lisa qui demande, ces thème builders servent à trouver des templates un peu différents, c'est ça? Alors, au-delà de ça, Lisa, ils vous permettent de modifier votre site de manière sans savoir coder. C'est que si vous n'utilisez pas un thème builder, ce sera vraiment plus complexe de gérer l'esthétique de votre WordPress. Donc, généralement, ça sera via Divi, Elementor et WordPress Bakery. Et je vais revenir sur la présentation. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces sites vitrines? Ou est-ce que c'est OK pour tout le monde? Donc, pour récapituler, pour la plupart des dirigeants, je recommanderais Wix. Gain de temps immense, très intuitif dans l'utilisation et facile à prendre en main. Si vous voulez être accompagné, si vous voulez un peu creuser dans la technique, dans le référencement ou autre, je vous recommanderais WordPress. Même si WordPress a quand même pas mal de désavantages également en termes de mise à jour, etc. Et si vous êtes vraiment à l'aise dans le digital et avec l'anglais, j'ai oublié de préciser parce que Webflow et Framer sont qu'en anglais pour l'instant, à ma connaissance, eh bien là, je vous recommanderais plutôt Webflow et Framer. Mais là, ça s'adresse plutôt aux freelances, aux agences, je dirais. OK? Eh bien, ça m'a l'air OK pour tout le monde. Bien, écoutez, on avance. Deuxième type de site, le site e-commerce, où on est heureux et ravi d'aller faire des achats en ligne ou d'avoir des ventes en ligne pour ceux qui sont e-commerçants. Donc, un site e-commerce, à la différence d'un site vitrine, c'est que là, vous allez avoir une transaction sur ce site. Donc, il va nécessiter une plateforme de paiement, de livraison, de gestion de stock, d'ajout au panier, etc. Vous aurez des fiches produits détaillées. Un catalogue, donc un site e-commerce a beaucoup plus de fonctionnalités. C'est en ça où un site e-commerce à créer par le passé était beaucoup plus coûteux. Aujourd'hui, vous pouvez facilement créer un site e-commerce avec de nombreuses plateformes et moi j'ai ma favorite que je vais vous recommander. Il y a différentes plateformes connues pour avoir un site e-commerce. Tout à l'heure, je vous ai parlé de WordPress. WordPress, vous pouvez faire des sites vitrines, mais également des sites e-commerce, notamment avec l'extension WordPress qui s'appelle WooCommerce. WooCommerce est basé sur WordPress. Donc, ce n'est rien de différent. C'est vraiment une extension branchée à votre WordPress pour pouvoir faire du e-commerce. Donc, il y a sept fonctionnalités pour faire du e-commerce avec WordPress. Deuxième CMS, deuxième type de site que vous pouvez utiliser, c'est PrestaShop. Donc PrestaShop, également sympa, un peu technique à prendre en main, on va dire plus spécialisé que WooCommerce, mais à creuser si ça vous intéresse. Et enfin, le dernier, qui à mon sens est le meilleur, que je vous recommande les yeux fermés, c'est bien évidemment Shopify. Donc pourquoi Shopify est de mon point de vue excellent? C'est parce que Shopify est à la fois facile d'utilisation, à la fois agréable d'un point de vue UX pour l'internaute, et il y a énormément de fonctionnalités, de modules, de templates. Donc c'est vrai que je dirais que Shopify, c'est la meilleure plateforme sur le marché, à mon sens, si vous voulez créer un site e-commerce. Si vous voulez créer un site e-commerce, je pense que Shopify est le chemin à prendre. Est-ce qu'il y avait des questions concernant les sites e-commerce? Est-ce que vous avez déjà un site e-commerce et si vous souhaitiez en créer un, est-ce que vous savez, vous connaissez ces plateformes? Alors tout à l'heure, quelqu'un a mentionné Squarespace. Alors je vais un peu en parler. Squarespace vous permet de faire un site vitrine et un site e-commerce. Squarespace, en effet, est pas mal. Mais je dirais plutôt pour du site vitrine. Parce qu'en e-commerce, j'ai mon favori, c'est Shopify.
Donc Squarespace existe également. Et Squarespace, je l'apparenterais plus à un Wix que à un WordPress, pour donner en termes de facilité d'utilisation. Donc en effet, vous pouvez voir du côté de Squarespace. Donc Stéphanie connaît ses plateformes, top. Lume qui utilise WooCommerce pour WordPress. Ok, super. Rappelez-vous que l'intérêt d'utiliser tous ces CMS, toutes ces plateformes, c'est qu'elles ont déjà des intégrations. Quand vous allez devoir faire du suivi publicitaire avec Facebook ou suivi Google Ads, eh bien vous aurez déjà des intégrations en quelques clics pour suivre vos performances. Donc vitrine plutôt Wix, e-commerce plutôt Shopify pour les dirigeants lambda. On arrive ensuite sur la landing page. Alors landing page, je ne vais pas m'y attarder énormément. Pourquoi? Parce que la landing page, elle est principalement utilisée par les agences publicitaires ou les freelances pour vos campagnes publicitaires. Une landing page, en français, c'est une page d'atterrissage. Et vous doutez que peu importe le type de site que vous avez des pages d'atterrissage. Ça peut être une page d'accueil, une page dédiée à un produit ou à une offre promotionnelle. Donc c'est en ça où vous n'allez jamais, vous, en tant qu'entrepreneur, juste créer une landing page pour votre activité. Vous allez forcément créer un site à côté. Et ce site contiendra des landing pages, visibles ou non. Donc l'idée d'une landing page, c'est qu'on veut, en une seule page, convaincre, persuader, rassurer un internaute pour qu'il entreprenne une action, une conversion. Par exemple, une prise de rendez-vous, un téléchargement, un test de produit ou un ajout au panier. Donc en termes de landing page, il y a d'autres outils vraiment spécialisés. Et dites-vous, ces outils sont plus chers que des outils pour des sites complets. Bizarrement, pourquoi? Parce que la plupart du temps, ces outils sont adressés à des agences. Là, on vous en liste certains, Instapage, LeadFox, etc. Mais ce n'est pas je pense, la solution qui va vous intéresser de prime abord. Elle va surtout intéresser vos freelances, vos agences. L'intérêt pour une agence d'avoir son propre outil de landing page, c'est que lorsqu'elle va faire des campagnes de communication, elle ne va pas toucher à votre site. Au moins, elle pourra faire tous les tests, toutes les modifications via son outil de landing page. Donc, en termes de temps et de gestion, c'est beaucoup plus simple. Et enfin, il y a le blog. Donc, le blog, comme je vous le disais en introduction, il y a maintenant un peu moins d'intérêt à avoir juste un blog, à part si c'est 100% de votre activité, c'est du blogging ou du vlogging. Eh bien là, en effet, ça peut être un site de ce type, pour les journalistes. Mais si vous êtes entrepreneur et que vous vendez quelque chose, généralement, votre blog sera une annexe de votre site vitrine ou une annexe de votre site e-commerce. Mais si vous souhaitez créer juste un blog, eh bien voilà des plateformes qui existent. Blogger, Medium, Weebly, WordPress également, seulement pour du blog, c'est possible. Alors, je crois que c'est Chris qui voulait faire un blog. Sauf erreur de ma part. Ouais, c'est ça. Donc voilà, par exemple, Chris, faire un blog sur WordPress, ça peut être pas mal. Pourquoi pas? Donc un blog, je le rappelle, c'est seulement un article de l'informationnel. Et il n'y a pas vraiment de recherche commerciale derrière. Si ce n'est pour les blogueurs, sachez que vous pouvez également avoir un gain financier grâce à ce qui s'appelle Google AdSense. Alors, je vous le note. Google AdSense, c'est en fait l'outil de Google qui vous permet d'héberger sur votre blog ou sur votre site des bannières publicitaires. Savez, quand vous allez sur le site de Le Monde, Le Parisien, eh bien, vous allez avoir sur le site des bannières publicitaires. Je vous montre un exemple sur Le Parisien. Bon, là, ça tombe mal parce que c'est une pub pour Le Parisien. Voilà, juste ici, en plus je viens de visiter Squarespace, j'ai une publicité qui me re-cible, qui me retarget pour Squarespace sur le site Le Parisien. Eh bien ça fait gagner de l'argent aux Parisiens. Le revenu publicitaire hébergé sur un blog ou sur un site. Donc ça, c'est par le biais de Google AdSense pour ceux qui veulent avoir du blog. Je vais faire le parallèle avec YouTube. Les YouTubeurs, quand ils ont de la publicité avant leur vidéo ou pendant leur vidéo, eh bien, ils gagnent un revenu publicitaire, c'est le même principe, mais là pour un blog.
Est-ce qu'il y avait des questions, alors plutôt Chris, concernant le blog? Pour le reste, sachez voilà que le blog sera une annexe de votre site existant. Avant de passer à la seconde étape, est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est OK? Et pendant que vous me répondez, je fais un petit tour des prix, parce que c'est une question qui doit vous titiller. C'est bien beau tous ces outils, mais combien ça coûte? Eh bien, Shopify, il y a plusieurs types de prix des abonnements qui vont de 27 euros à voilà, 2300 dollars pour les grosses entreprises. On va faire un paiement mensuel, c'est 36 euros le minimum sans engagement. D'ailleurs, il y a une autre formule, il me semble, où vous ne pouvez que. Non, j'ai pas. Voilà, environ 36 euros pour Shopify. Je vous parlais de Wix pour les sites vitrines. C'est un peu moins cher, mais c'est la même fourchette de prix. Alors, je n'ai pas fait le bon partage d'écran. Hop, ce sera mieux si je vous partage le bon écran. Donc, je vous montrais Shopify, voilà les fourchettes de prix, 27 euros le minimum, avec engagement sur un mois. Et pour Wix, on est plutôt aux alentours de 13 euros le minimum. Et Webflow et Framer, c'est toujours dans cet ordre de prix, on va dire une vingtaine d'euros par mois pour la plupart des sites, c'est ça. Voilà. Comme vous le précisez dessous, en effet, faites attention aux paiements mensuels et paiements annuels, car avec WordPress, on peut passer de 8 euros à 18 euros par exemple. Donc annuel, vous payez en une seule fois pour l'année, et paiement mensuel, en gros, c'est un abonnement à chaque mois. Alors Chris qui dit, ça peut être également un site de type média et ensuite pour faire un renvoi sur un site pour de la vente. Pourquoi pas Chris? Après, à vous de voir si en termes de temps investi, de gestion de plusieurs sites, c'est pas plus simple de les regrouper sous une même casquette. Eh bien écoutez, on passe à la partie plus stratégique par rapport à la création de votre site. Dans le marketing digital, vous avez deux missions. Séduire l'internaute et séduire un algorithme. Qu'est-ce que j'entends par algorithme? Eh bien, c'est que vous devez séduire l'algorithme de, par exemple, Google, pour que vous soyez bien référencé. Vous devez séduire l'algorithme de Facebook, pour que vos posts soient mis en avant. Sinon, dans le marketing digital, c'est ça. Séduire notre internaute et séduire l'algorithme, le robot de la plateforme qui nous met en avant. Le marketing digital, c'est également pour se faire imiter les bonnes pratiques de nos confrères, concurrents ou d'autres entreprises, tout en se différenciant. Voilà la nuance. On va imiter les bonnes pratiques tout en se différenciant. Et c'est en ça où c'est primordial de faire un benchmark de votre secteur concernant vos sites internet. Qu'est-ce que c'est qu'un benchmark? Benchmark désigne une technique de marketing pour comparer et analyser ses concurrents. Afin de, comme je vous expliquais, imiter les bonnes pratiques tout en se différenciant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un benchmark vraiment des sites de nos concurrents. Pouvez même aller plus loin dans le benchmark, faire un benchmark de l'image de marque, des offres, etc. Donc le benchmark permettra de connaître les codes propres à son secteur. En effet, si vous vendez des produits, on va dire cosmétiques, eh bien, quels sont les codes? Si je vais sur le site de Sephora, comment sont mis en avant les produits? Si je vais sur le site de Respire également, quels types d'arguments sont mis en avant? Plutôt émotionnels, plutôt logiques? Les témoignages, est-ce qu'ils sont avec images, sans images? Un peu rechercher ce qui est fait par les grands groupes. Rappelez-vous que ces grands groupes ont énormément d'équipes et de budget pour prendre de bonnes décisions. Donc à vous de tout simplement imiter ce qui est déjà bien fait. Reconnaître les bonnes et mauvaises pratiques, et c'est là où c'est bien de suivre toutes ces formations, c'est qu'au-delà de se dire les grands groupes ont des bonnes pratiques ou mes concurrents ont des bonnes pratiques,
C'est également important de voir lorsqu'il y a de mauvaises pratiques. Et là, ce sera important de comprendre la mentalité des plateformes, des algorithmes et la mentalité des internautes. Et on va le voir juste après. Et le benchmark, c'est important pour se démarquer dans un univers concurrentiel. Pourquoi important? Eh bien, parce que je vous le rappelle, si vous ne vous différenciez pas en tant qu'entrepreneur, en tant que site web, en tant qu'image de marque, comment l'internaute décide à qui il fait appel? Si tous les concurrents sur un marché sont similaires, je vous pose la question, comment l'internaute décide quelle entreprise, avec quelle entreprise il travaille? Si toutes les entreprises dans un secteur sont similaires, il n'y a aucune différenciation, comment l'internaute se décide? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si toutes les entreprises, les prestataires ressemblent à des clones, comment l'internaute se décide? Eh bien, l'internaute, lorsque tous les concurrents, toutes les entreprises ont l'air similaires, eh bien, il se décide avec le prix. Il va chercher le moins cher. Et donc, c'est en ça où c'est important pour vous d'éviter à tout prix de tomber dans cette guerre des prix, de qui est le moins cher. Et de vraiment travailler votre différenciation. Ça peut être dans le service que vous proposez, dans le produit, dans la manière dont c'est fait, ou dans l'image de marque, dans la communication que vous employez. Imitez les bonnes pratiques tout en se différenciant, pour ne pas tomber dans la guerre des prix, de qui est le moins cher. Donc, voilà une petite grille d'analyse maintenant concernant le site web de vos concurrents. On va voir que tous ces éléments, ils sont analysés, on va dire, inconsciemment par l'internaute, et ils sont surtout analysés par les algorithmes dont je vous parlais. Google, pour vous référencer, il va analyser certains de ces éléments. Est-ce que le temps de chargement est rapide? Est-ce que le site est compatible mobile? Donc là, ce n'est pas une liste exhaustive, je vais vous partager d'autres points. Est-ce que le site est mis à jour régulièrement? Donc là, c'est des aspects un peu, on va dire, techniques. Maintenant, en termes d'expérience, est-ce que c'est agréable de naviguer? Est-ce que les couleurs sont cohérentes? Est-ce que le bouton est clair et voyant? Donc à vous de faire votre petite grille d'analyse, mais voilà déjà un exemple de grille d'analyse pour analyser vos concurrents et plus tard analyser votre site. Et on passe justement à la création de ce site. Avant de continuer, est-ce que c'était OK pour tout le monde? Est-ce que vous nous suivez? Est-ce qu'il y avait des questions, des remarques? Ou est-ce que c'est OK, on peut continuer? Si c'est OK, eh bien vous mettez un petit OK en avance. Ah, il y a une question de grosse caisse. Si je dois faire un site vitrine avec un fort besoin de SEO, une solution à privilégier. Alors, pas vraiment, grosse caisse. Il y a des solutions que je ne vous recommanderais pas. Notamment, j'ai en tête Jimdo. Parce que Jimdo, vous n'avez pas la possibilité de bien modifier tout ce qui les balises et d'autres éléments du site. Mais généralement, parmi tous les sites que je vous ai recommandés, ils se valent. Si vous avez des compétences en SEO, WordPress vous laissera plus de flexibilité. Je reste sur Framer ou Webflow pour l'instant. Webflow et Framer sont très bien. Même si Framer est un peu moins flexible que Webflow. Donc, en cas de doute, si vous voulez vraiment optimiser le référencement, eh bien, je vous recommanderais plutôt WordPress ou Webflow. Même si Framer est bien. Mais pour un dirigeant lambda, en termes d'optimisation référencement, Framer, Wix sont très bien. Par contre, je sais que Jimdo est moins bien. Ok, bah écoutez, on va voir maintenant les éléments à anticiper pour la construction du site web. Bien évidemment, le nom de domaine. Choisir le nom de domaine, donc ça sera votre nom d'entreprise, votre URL, donc le nom de domaine, c'est assez simple. Il y a plusieurs sites pour acheter le nom de domaine. Maintenant, la plupart des CMS que je vous ai proposés vous permettent d'acheter le nom de domaine directement depuis CMS.
Par le passé, c'était également possible via l'hébergeur. Là, vous n'avez même plus besoin de choisir votre hébergeur parce que ces CMS hébergent également votre site. Donc, tout ce qui est nom de domaine, hébergeur, par le passé, il fallait même des plateformes différentes et une plateforme de création, un hébergeur, une plateforme de nom de domaine. Maintenant, tout est regroupé pour faciliter la vie de l'internaute. Donc, beaucoup moins important. J'en parlais, près de 64% des recherches Google sont effectuées via mobile. Le trafic Internet maintenant est un trafic mobinaute. Donc vous voulez privilégier l'aspect mobile. Google déjà indexe en priorité votre version mobile et analyse pour référencement votre version mobile. Donc ce que vous voulez faire, c'est que dans la création de votre site, vous voulez faire l'inverse de ce qu'on faisait il y a déjà quelques années en arrière. Quelques années en arrière, on crée un site version ordinateur, donc aspect ordinateur, et on voyait ce que ça donnait en version mobile. Et bien maintenant, c'est l'inverse que vous devez faire. Vous devez d'abord vous concentrer sur l'aspect mobile et ensuite voir comment ça rend sur ordinateur. Donc là, vous avez par exemple un exemple, le site de Figma en version ordinateur. Et en version mobile, eh bien ça donne quoi? Eh bien, il est bien responsive, comme on dit. Il est mobile friendly. Oula, vous pouvez voir tout ça. Donc concentrez-vous en priorité, toutes choses égales par ailleurs, à l'aspect mobile. Sauf si votre activité ou votre audience sont beaucoup plus sur ordinateur. Donc là, je pense par exemple aux personnes âgées ou à certains types de secteurs importants, sérieux, avec un panier moyen élevé, peut-être la santé, même, quoique. Mais d'abord, concentrez-vous sur l'aspect mobile, c'est très important, à la fois pour l'algorithme des plateformes et à la fois pour votre internaute. Et tout ce point, en fait, c'est ce qu'on appelle l'UX design. D'ailleurs, c'est le métier de grosse caisse. L'UX design, c'est optimiser l'expérience de votre internaute, la faciliter, la fluidifier, pour que ce soit agréable et simple pour lui de naviguer dans votre site, de naviguer dans votre application. Et ça, l'UX design, l'expérience d'utilisateur. Un exemple parlant, cette image que j'aime beaucoup. Quelquefois, les dirigeants vont avoir des a priori, vont avoir en tête des idées, mais c'est des idées qui ne seront pas intuitives pour l'internaute, qui ne seront pas efficaces d'un point de vue UX. Donc, quelques règles à respecter. Vous voulez qu'en moins de 5 secondes, l'internaute comprenne de quoi parle le site et quelle est l'action recherchée, quelle action vous l'invitez à faire. On va prendre l'exemple de notre Figma. Voyez, en 5 secondes, vous avez un grand titre qui explique le bénéfice client, vous avez un exemple et vous avez des boutons. Lancez-vous, commencez. Un faux pas, ce serait, admettons, de ne pas avoir de bouton ou de ne pas comprendre clairement à quoi sert Figma. Donc, moins de 5 secondes pour comprendre, des actions bien définies, claires et guidées. Limiter les animations et éléments décoratifs, à la fois pour ne pas embrouiller l'internaute et à la fois pour avoir un temps de chargement plus rapide, qui est analysé par les algorithmes. Navigation simple et règle des 3 clics qui nous provient d'Amazon. Chez Amazon, il faut qu'en moins de 3 clics, eh bien, la conversion soit possible. La conversion, c'est quoi? C'est par exemple un achat. Ou pour les personnes qui font des services, ça peut être une prise de contact, une prise de rendez-vous. Plus il y a de clics, plus il y a de réflexions et d'étapes, plus il y a de chances que vous perdiez des internautes. Plus ça demande de charge mentale pour faire une action, plus vous allez en perdre. Donc sans ça, réfléchissez vraiment, est-ce que mon parcours internaute, il est rapide? Dites-vous, en moins de 3 clics, mon action doit être possible. Et bien sûr, le site doit être cohérent. Alors, je vais vous montrer quelques sites et vous allez vous rendre compte que souvent, la structure est la même. Donc là, on a le site de Zapier avec des boutons pour s'inscrire. Le bénéfice de l'internaute.
et souvent un petit visuel pour enrichir l'expérience. On peut également voir sur Wix, on va l'X, créer un site internet sans limite, sur le bénéfice client, et là le bouton créer un site internet. Un menu hamburger pour en voir plus, et d'autres informations. Donc à vous un peu de lister dans votre secteur les différents types de sites. Ça peut être dans le e-commerce, ça peut être dans le luxe. Alors, je vais plutôt prendre, hop. Pour voir un peu comment les sites sont construits. Quelle est l'expérience de l'internaute. Donc là, on voit qu'il y a le panier, il y a la barre recherchée. Inspirez-vous. Inspirez-vous même d'entreprises qui ne sont pas dans votre secteur, pas dans votre verticale. Pour avoir une bonne expérience utilisateur. Bien évidemment, le texte c'est bien. D'ailleurs, on dit souvent en référencement que Google est un obsédé textuel. Mais Google sait très bien, sait pertinemment que l'internaute lit de moins en moins. Et que même si le texte c'est bien, eh bien, les visuels sont préférés par les internautes. Les visuels sont importants pour illustrer vos propos et également pour aérer la lecture. Donc à vous de bien choisir les images, des images de bonne qualité pour votre site. Et surtout pour les e-commerçants, généralement on vous invite, là sur la scène il dit 3 à 4 images plutôt qu'une ou deux. Moi je vous inviterai même à en avoir minimum 8 quand vous proposez un produit, d'avoir minimum 8 images pour vraiment convaincre et rassurer l'internaute. Il y a maintenant également les vues 360 qui existent avec certains logiciels et certains outils. Qui peuvent être intéressantes. En termes de visuel, il y a également d'autres contenus qui marchent bien, ce sont les GIFs. Alors les GIFs ou les GIFs, ce sont des images animées. Je pense que la plupart d'entre vous savez de quoi je parle. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est-à-dire, c'est entre une image et une vidéo. Voilà, là vous avez un site connu qui s'appelle Giphy, G-I-P-H-Y, pas comme le magasin, qui vous permet d'utiliser des GIFs. Donc des fois, vos propres vidéos, vous pouvez les transformer en GIFs pour les mettre sur vos pages. Mais maintenant, le problème souvent avec ces images, c'est qu'elles sont lourdes. Et Google nous dit à la fois, je veux un site rapide, mais je veux un site avec des images. Ça peut paraître contradictoire. Eh bien, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le site le plus rapide au monde, c'est une page blanche avec écrit « Bienvenue sur mon site ». Donc, optimiser pour la rapidité, ce n'est pas une fin en soi. C'est vrai que l'internaute préfère quand c'est rapide, mais rappelez-vous que l'internaute veut quand même du contenu. Donc c'est pour ça que même si vous allez mettre des images, eh bien vous pouvez les optimiser. Donc généralement le chantier pour avoir des images plus rapides et un site qui charge plus rapidement, c'est redimensionner les images, les compresser et les avoir au format WebP. Donc le format WebP, je vous le note, c'est .webp. C'est le format le plus svelte sur la toile, qui est souvent recommandé pour avoir un site qui charge plus rapidement. Quand un site charge lentement, 8 fois sur 10, c'est à cause des images qui sont trop lourdes. Il y a également d'autres applis, d'autres plugins et extensions qui vous permettent de les compresser. Mais déjà d'avoir un format WebP, c'est intéressant. Et là, nous, on a un super site à vous recommander pour tester votre site ou des sites. C'est PageSpeed Insight, qui vous permet gratuitement de mettre votre site et d'avoir un score de rapidité. Voyons voir, hop, là j'ai des exemples, je vais cliquer dessus, non, hop, on va prendre le site de Asos,
Donc, comment ça se présente? Vous aurez un score sur mobile et un score sur bureau. Hop. Je vous ai envoyé le lien, c'est PageSpeed, Insight. Mais si vous recherchez PageSpeed sur Google, généralement, c'est les premiers résultats. Donc, vous pouvez avoir le score mobile et ordinateur. Souvent, sur ordinateur, vous aurez un bon score. Donc là, c'est en train de charger. Et sur mobile, un peu moins bon. L'idée, c'est pas d'avoir 100%. L'idée, c'est d'être au-dessus des 60. À minima, sur mobile. Donc, je vais vous montrer un exemple. Là, par exemple, Asos, 27. 47 sur bureau. Donc après, je vous rassure, c'est pas parce que Asos a 27 que leur site est nul, parce qu'ils l'optimisent pour différents aspects. Mais ce qui sera intéressant pour vous, quand vous aurez votre score, c'est de descendre en bas et de voir le diagnostic. Donc dans le diagnostic, il y aura du charabia technique, mais il y aura également des informations concernant probablement les images, redimensionner les images. Avoir un format nouvelle génération, 8K sur 10, c'est les images, le problème du temps de chargement. Il y a PageSpeed Insight et d'autres outils pour optimiser le temps de chargement de votre site via les images et les contenus. Et pour ceux qui demandent comment convertir au format WebP, eh bien c'est assez simple. Il y a plein de sites qui existent. Conversio, vous recherchez sur Google convertir PNG en WebP ou JPEG en WebP, vous aurez des sites, certains gratuits. Et Chris, oui, le WebP garde la qualité. À l'œil nu, honnêtement, vous ne voyez pas de différence. Et puisqu'on est en 2024, sachez qu'on a également des intelligences artificielles qui peuvent vous aider à créer des images. Vous connaissez probablement le fameux ChatGPT ou Gemini pour créer du texte. Hop, par exemple, je vous montre Gemini. Pour ceux qui veulent rédiger des articles de blog, rédige-moi un article de blog concernant le trésor du One Piece. Alors pour ceux qui ne connaissent pas One Piece, c'est un manga japonais. Donc là, vous voyez que l'IA me génère un texte de A à Z qui, moi, sera une base de travail. L'idée, c'est pas de faire un copier-coller à mes articles de blog. On peut même aller plus loin, on va le voir. L'IA peut vous aider pour votre référencement. Eh bien, au même titre que l'IA peut vous aider à générer du texte, l'IA peut vous aider pour générer des images. Et je vais vous montrer un exemple avec Adobe Firefly. Adobe Firefly, c'est un outil d'Adobe gratuit. Je vais demander un tigre. À la plage avec un panda. Et sous la pluie. Si ça veut bien charger, parfait. Donc là, vous pouvez vraiment faire n'importe quel type de demande, même si tout de même l'outil est bridé, c'est-à-dire tout ce qui sera droit d'auteur, copyright ou célébrité, l'outil ne va pas les recréer. Et j'ai mon tigre et mon panda à la plage sous la pluie. Impressionnant, hein? Et là, je peux demander en style soit photoréaliste, soit artistique. Alors pour ceux qui voudront le tester à la fin du live, je vous envoie le lien.
Et si je demande, admettons, un style plutôt artistique, je refais générer. Alors, Chris qui dit, j'ai essayé avec Leonardo. Alors, Leonardo, c'est un autre outil qui est très performant et qui nous dit, c'est pas super comme résultat. Alors, il faut faire attention, en effet, tout sera dans le prompt, dans votre requête, dans votre demande. Est-ce que c'est assez détaillé? Est-ce que c'est assez clair également? Pour ceux que ça intéresse, les meilleurs outils sur le marché sont pour l'instant Midjourney. Même si Midjourney est loin d'être intuitif. Même si ça arrive petit à petit. Voyons voir. Si. Non. Voilà, donc il y a Midjourney. Midjourney. Et il y a l'outil que mentionnait Chris, leonardo.ai. Ce sont les deux plus performants sur le marché. Ok. Alors, je vous mets en garde sur Midjourney parce qu'il n'est pas intuitif pour tout le monde. C'est un peu technique à utiliser pour l'instant. Et pour ceux qui ont la version payante de ChatGPT, alors attendez, hop, ChatGPT, eh bien la version payante, donc chez GPT-4, ChatGPT-4, permet également de créer des images. Alors je ne sais plus si je l'ai toujours. Non, je ne l'ai plus. Et il y a d'autres outils qui existent également sur le marché. Est-ce qu'il y a des questions concernant ces outils de création visuelle, ces intelligences artificielles? Au-delà de l'image, vous savez que la vidéo, ça marche également très bien. On dit souvent que le contenu est roi, et bien le contenu roi des rois, c'est le contenu vidéo, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre site web. Donc là, on va dire que la principale erreur, c'est si vous chargez directement la vidéo sur votre page au lieu de l'intégrer via YouTube. Voilà. Le meilleur moyen d'avoir une vidéo sur son site, c'est juste de l'intégrer via YouTube. C'est-à-dire la vidéo, elle est téléchargée sur YouTube, elle est stockée sur YouTube. Et ensuite, elle est intégrée via un lien sur votre site. C'est ça la bonne pratique, la bonne méthode. Il y a plusieurs outils qui existent, notamment Clipchamp, que moi j'ai utilisé. Mais après, en termes de montage d'images et de vidéos, il y a aussi Canva que vous devez connaître, qui est très très bien. Donc l'intérêt de la vidéo, c'est que vous allez passer plus de temps sur votre site. L'intérêt de la vidéo, c'est que vous avez plus de temps pour convaincre et rassurer l'internaute. Et les internautes préfèrent de nos jours voir une vidéo plutôt que lire du texte. On a quelques exemples qu'on ne va pas forcément regarder, mais que vous pouvez retrouver en ligne. Généralement, toutes les publicités que vous voyez ou quand vous allez sur un site, souvent les vidéos qui marchent très bien, c'est des vidéos démonstration ou témoignage client, en dehors de tout ce qui est vidéo de branding et de, on va dire, plus publicitaire. Et bien en 2024, au même titre qu'on peut créer du texte avec une demande textuelle, on peut créer une image avec une demande textuelle, eh bien on peut créer une vidéo avec une demande textuelle. Et là, les entreprises dans le domaine, eh bien il y a Runway ML. Et là, je vais vous montrer toutes les vidéos qui vont s'afficher à l'écran ont été juste générées avec une simple phrase qui s'affiche en bas. Bienvenue en 2024. Donc là, c'est Runway ML, qui est une version gratuite où vous pouvez tester de créer des vidéos avec vos mots ou d'animer des images, de les transformer en vidéo. Il y a également, alors je vous envoie quand même le lien, Runway ML, il y a également Pika Art. C'est le même principe, vous mettez une demande textuelle, ça vous génère une vidéo.
Et depuis peu, l'entreprise derrière ChatGPT a annoncé également son propre outil qui n'est pas encore disponible, mais qui est époustouflant. Et là, vous voyez, tout ça n'a été généré qu'avec un petit prompt qui est listé juste en dessous. Vous devriez normalement là être à la fois excité et effrayé par ces outils. Et l'outil Sora de OpenAI est hyper réaliste. Là, si je vous montrais cette vidéo, je pense pas que vous pourrez deviner que ça a été fait 100% virtuellement. Je trouve que c'est époustouflant. Donc peut-être dans quelques années, vous pourrez créer votre propre publicité, court-métrage, manga, juste avec du texte. C'est fou, hein? Donc ne pas négliger la création vidéo, le montage vidéo et même vous filmer pour avoir des vidéos sur votre site. Parce que c'est très apprécié à la fois par les algorithmes et par les internautes. En parlant d'algorithmes, on va brièvement parler de référencement naturel. Grosse section on a parlé tout à l'heure. Donc le référencement naturel ou SEO, c'est en fait est-ce que vous êtes dans les premiers résultats Google? Les premiers résultats Google, c'est ceux qui ont le plus de clics et ça découle sur le plus de chiffre d'affaires du coup. Eh bien, votre stratégie de référencement naturel, il y a plusieurs points, et là je vous invite vraiment à regarder nos conférences en deux niveaux sur notre chaîne YouTube, sur les références naturelles. Mais les références naturelles, en bref, ce sont les mots-clés présents sur votre site, l'expérience de navigation d'internaute, et enfin les liens vers votre site. Je vous note pour pas que vous oubliez. Donc, premier point, mots-clés. Second point, expérience d'internaute sur votre site, via tout ce qui est contenu, temps de chargement. Et troisième point, c'est ce qu'on appelle les liens. Et là, en fait, il y a tout ce qui est backlinks, netlinking, etc. Mais le béaba, c'est vous assurer que les mots-clés recherchés par votre client sur Google soient présents dans votre site. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer un exemple avec salle de sport Montpellier. Donc, salle de sport Montpellier, vous voyez que le premier résultat, enfin les premiers résultats, ils sont là. Pour quelles raisons ils sont en premier? Alors là, on va juste prendre le prisme des mots-clés. Si vous voulez être référencé dans les premiers résultats avec votre site, vous voulez à tout prix que la recherche faite par votre internaute soit présente dans trois balises. La balise title, la balise description et la balise H1. En SEO, les balises sur votre site, ce sont les textes analysés en priorité par les robots de Google, par l'algorithme de Google. Et là, je vous montre à l'écran, donc par exemple, Basic Fit. Alors c'est marrant parce que Basic Fit n'a pas le mot salle de sport Montpellier, mais gymnase à Montpellier. Google réussit également à trouver des synonymes, mais dans l'idéal, vous voulez à tout prix le bon mot-clé. Donc là, par exemple, c'est un très bon exemple. Salle de sport à Montpellier. Et vous voyez que ce lien cliquable, ce titre, c'est ce qui s'appelle la balise title.
Donc, si vous avez plusieurs produits, vous aurez plusieurs pages sur votre site. Admettons pain au chocolat, croissant ou chocolatine pour certains. Donc, à tout prix avoir le mot-clé recherché par l'internaute dans la balise titre. Deuxième étape, à tout prix avoir le mot-clé recherché par l'internaute dans la balise description, c'est ce qui est juste en dessous. Balise titre, balise description, pareil là. Et enfin, la balise H1. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, généralement, c'est le premier titre visible sur votre page. Donc là, il y a forte chance que ce soit salle de sport à Montpellier, la balise H1. Alors, sachez que moi, j'ai un petit outil pour le vérifier, que vous pouvez d'ailleurs télécharger vous gratuitement si vous avez Google Chrome. Ces petits outils, c'est. Hop, alors je vous montre mon écran en entier. Quoique, je vais peut-être pas vous voir. Tant pis. Ce petit outil s'appelle SEO Meta in One Click. Alors, je vous mets le nom dans le chat que vous pourrez tester. C'est un plugin Chrome qui permet de voir quelles sont les balises d'un site. SEO Meta in One Click. Mais voilà le béaba pour votre référencement, où il y a tout pris que les mots-clés recherchés par votre prospect soient dans votre balise titre, description et H1. Ok? Est-ce qu'il y avait des questions par rapport au SEO avant d'arriver sur les derniers points? Les outils d'analyse. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y avait des questions? N'hésitez pas, on arrive sur la fin. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, on continue. Ah si, grosse caisse dit, tu parles de référence naturelle, mais du coup, le référencement non naturel, c'est les campagnes payantes avec Google directement. Oui, tout à fait. Donc, les liens sponsorisés, c'est lorsque vous avez un budget publicitaire. Alors, sachez tout de même que même si vous avez un budget publicitaire, les règles du référencement naturel s'appliquent. Donc, ce n'est pas le plus offrant qui est forcément le mieux référencé. Parce que Google analyse quand même. Est-ce que vous avez les mots-clés? Est-ce que vous êtes qualitatif? Est-ce que d'autres personnes parlent de vous? Donc, avant de faire du payant, optimisez déjà le naturel et le gratuit. Une fois que vous avez votre fameux site, qui est tout beau, tout propre, eh bien, maintenant, il faudra quand même analyser ce qui se passe sur ce site. Et là, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez des outils gratuits, notamment Google Analytics. Google Analytics permet quoi? Permet de voir qui vient sur, de d'où proviennent les internautes, en quelle quantité et comment ils se comportent sur mon site. Quelles pages ils vont voir, combien de temps, sur quoi ils cliquent. Donc c'est un outil que vous allez connecter à votre site pour pouvoir analyser ce qui se passe sur le site. Sans ça, votre site c'est un peu une boîte noire. Vous ne savez pas qui rentre, qui sort, qu'est-ce qui se passe. Donc ça, c'est primordial pour toute personne qui a un site. Il y a d'autres outils qui existent. Donc Google Analytics, c'est analyser ce qui se passe à l'intérieur du site. Et ensuite, Google Search Console, c'est pour analyser ce qui se passe à l'extérieur du site sur le moteur de recherche. C'est-à-dire sur quels mots-clés vous avez des clics, sur quels mots-clés vous avez des impressions, quelle est votre position moyenne dans le moteur de recherche Google. Est-ce que toutes vos pages sont bien indexées, sont bien trouvables sur Google? Tout ça, vous pouvez le voir via la Google Search Console. Donc Google Analytics, l'intérieur de mon site. Google Search Console, l'extérieur de mon site sur le moteur de recherche.
Les étapes clés à retenir. Premièrement, se poser les bonnes questions pour s'orienter dans la bonne direction. Deuxièmement, définir les objectifs en termes de persona, d'action, etc. Benchmarker votre secteur pour ensuite créer votre site avec les bons outils. Et avec tout ça, vous êtes prêt à créer normalement des sites du tonnerre et surtout suivre les performances de ce site. Si vous avez des questions, avec plaisir, on a encore 4 petites minutes ensemble. Sinon, sachez que ça a été un plaisir de vous partager toutes ces infos. J'espère que ça vous a plu, qu'il y avait des informations intéressantes et que vous ne vous sentez pas noyé sous trop d'informations. L'idée, c'est de vous inspirer, de vous motiver à la création de sites. Sachez qu'il y a d'autres conférences concernant les sites internet sur notre chaîne YouTube que je vous invite à consulter, qui peuvent grandement vous aider dans votre création. Et il y a également notre hotline que j'ai partagé tout à l'heure. Notre chaîne YouTube, vous êtes actuellement dessus. Donc n'hésitez pas à voir d'autres contenus. Les certifications, pour ceux que ça intéresse, je vous repartage la slide. Et le lien qui est tout en haut, que je renote d'ailleurs. Alors, grosse caisse, je ne suis pas sûr si c'est moi qui anime dans 2 semaines le niveau 2. Peut-être, mais c'est pas sûr. Quoique dans 2 semaines, non, ce ne sera pas moi, je ne crois pas. Merci en tout cas, grosse caisse, pour le compliment. Et j'espère que ça a plu également au reste des personnes et que ça vous sera utile pour vos efforts en création de sites web. Donc, les Google Cash Certificate, il y a une hotline, il y a des rencontres mensuelles, il y a également la plateforme Ma Voix pour vous aider si ça vous intéresse, avec un consortium d'entreprises, comme je vous le mentionnais. Et toutes les informations, le numéro de téléphone, le mail, si vous souhaitez un coaching individuel. Avec plaisir, Lisa. Bonne chance et bon travail avec tout ça maintenant. Eh bien, écoutez, si ça vous a plu, si vous avez un retour à faire sur le fond et la forme, eh bien, on vous invite à scanner ce beau petit QR code secret qui vous mène à quelque chose, à un petit formulaire qui dure que quelques secondes, en précisant la thématique, c'était avec Alexandre. Et si vous avez aimé ou si vous avez détesté également, n'hésitez pas. Vous savez que c'était un plaisir pour moi de vous partager toutes ces informations. Avec plaisir Sabine, avec plaisir Fred. Et je tiens à tous vous féliciter et vous motiver pour vos projets d'entreprise, car votre optimisme est le moteur de l'économie, sachez-le. Donc bonne chance et bon travail, ce ne sera pas simple, mais bonne continuation à tous. Caroline, par quoi commencer quand on est débutant ? À quel sujet, Caroline ? Moi, ce que je vous recommanderais, c'est de toujours apprendre. Avant de vous lancer, apprenez, essayez de clarifier une thématique pour éviter des erreurs. Et une fois que vous êtes au clair, que vous avez assez d'informations, vous pouvez commencer à tester. Avec plaisir, Jojo, avec plaisir, Lydie. Merci, Chris. Bonne chance, bon travail à tous et également bon appétit et bon week-end. Et à une prochaine sur un prochain live, peut-être dans 2 semaines pour le niveau 2, mais je ne suis pas sûr que ce soit moi. Bonne journée tout le monde, je vous remercie et n'oubliez pas également de remercier Detsu qui était à la modération, qui est lui derrière l'écran. Et sur ce, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine. C'était Alexandre pour Google Ads Numérique. Au revoir tout le monde. Bye bye.